Bonjour à tous, bienvenue pour la session bonus de Living Legend sous l'emprise des souhaits. Donc on avait achevé la petite session avec la fin de l'histoire où tout compte fait, on avait bien piégé donc la personne, le maire, qui avait soudoyé toutes les personnes du village pour, en échange de leur vie on va dire, lui rendre des services. Donc la session bonus, je sais pas de quoi il s'agit. On va voir ça tout de suite. Ah, souvenez-vous de ce personnage. Alors, ça on l'a déjà fait. Moi, ce que je veux, c'est jouer au bonus. Voilà. Donc le chapitre bonus, je ne sais pas combien de temps il dure. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Allons-y. Alors, vous connaissez ma façon de jouer, hein. Ça va être en normal. Ah, c'est ce qui s'est passé avant. Jack, look. It looks like it's already winter here. Isn't that strange? Grace, will you marry me? I will. No, Jack! That was terrible. I'm lucky I survived. Grace? Grace, where are you? Ok, donc là, on joue Grace. C'est ce qu'on jouait avant. Elle cherchait son mari Jack dans ce fameux labyrinthe et château de Rose. Et donc là, c'est le contraire. C'est son mari. Alors, toujours pareil, hein. Voyons aux alentours. Je la vois, elle est là. Hein. Je la vois. Oh non! Hang on, darling. I'll find something to wake you up. I have some smelling salts in my bag. Des sels de pamoison dans mon sac. Ah, elle a quelque chose dans la main. Grace est inconsciente. Il me faut un remède pour la réveiller. Très bien. Elle a l'air salement touchée quand même, hein. Ok. Ah. Alors, les objets cachés. Toujours le même concept. Cette carte est déchirée. D'accord. Ah, encore? Ok. Une écharpe. Deux billets. Une bague, clé, sable. Ça, c'est moi. Où est le bouton qui ouvre le sac? Est-ce qu'il faut deux billets, du sable et une clé? D'accord. Ah, les billets, d'accord. Un billet du balloon. Et du sable. D'accord. Portrait de Grace. Alors. Attends. Non. Le brûleur est gelé, comment est-ce possible? Une rose en métal. 5 pièces, des gants. Ok. Ah, elle est là, ma femme. Ok. Une boussole. Il manque quelque chose. Elle ne me sert à rien dans cet état. D'accord. Non? Ça va pas dessus? Des gants. Avec le soleil? Ouais, mais... Voilà. Quoi ça? Ah! Ah oui, d'accord. Et le verre. Voilà. Ok. Un couteau là.
Je ne peux pas utiliser ce couteau sans le manche. Sans manche. Ok, très bien. Alors, mon sac. Je dois trouver le fermoir pour ouvrir ma sacoche. Bah, ça doit être ça, la fleur. Ah, il y a des petits trucs, ok. Corne. Aucun. En dessous. Ok. Un sandwich, du sel de pamoison. Alors, c'est ça qu'il voulait. Mais qu'est-ce que... Ah, Jack, ça va mieux? My wounds are too severe. Ah, mince, elle est retombée dans le coma. Transporter grâce. D'accord. Avec le parachute, non? Il me faut quelque chose de coupant pour me débarrasser de ces tiges. D'accord. Ah mais je sais pas le manche. Ah. Une barque. On pourrait peut-être modifier cette barque pour transporter Grace sur la glace. C'est-à-dire la modifier. Je sais pas. Quoi? D'accord. Bon, je sais pas trop. Ok. Ouais, j'ai pas le manche. Voilà, et avec de la ficelle, c'est bon. Super. Ok, alors. Plouf. C'est des skis? Des skis? Qu'est-ce que ça fout ici? Ah, attends. On les met sur le bateau. D'accord. Pas con. Ah, d'accord. Mince. Ok, comme ça, elle sera confortable là-dedans. Parfait. Oh là là. Ah, on est parti. A bargain's a bargain, huh? I wish I'd never signed that contract. Who's there? Somebody, help! Oh no, your fiancée's wounded. Let's bring her into my house. I'll try to treat her wounds. Seigneur des anneaux, donc. Alors, attendez, juste... Pas le temps de fouiller, je dois parler. Oh non. I'm Olaf. My brother and I are working for Wishville. Your fiancé's dying. But there's still hope. Wishville's a place where wishes can come true. Voilà. Donc, Wishville, c'est là où on était dans l'épisode précédent. Où, justement, le maire de Wishville permettait aux personnes... d'exaucer leurs vœux, mais en échange, ils devaient signer un contrat et malheureusement, ça se passait pas très bien. Use the lifter near the waterfall to ascend the hill. You'll find my brother Rickard there. He'll tell you where to find help for your fiancée. I'll look after her while you're away. Est-ce que j'ai fait assez confiance pour qu'il garde juste un œil sur ma fiancée, pas qu'il la tripote? Je sais pas trop. Oh putain! Qu'est-ce qu'il fout là, lui, encore? Alors sachez que cet animal totem, donc l'écureuil, hein, qui m'a bien cassé les noisettes, c'est le cas de le dire, dans les épisodes précédents, est encore là. Donc je l'appelle l'escroc, parce que... Ah, il y a des petites fourmis. Et chaque fois, il troque des objets avec moi, il veut pas me laisser tranquille. Ah, regardez, si je veux lui prendre, il va pas vouloir. Voilà, comment détourner l'attention de l'écureuil. Voilà, il va être loup. Si je lui mets la cafetière dans le visage... Est-ce que ça marche? Apparemment non. Ma pauvre. Tiens bon mon amour, je vais te sauver, je te le promets. Ah, qu'est-ce que c'est? Un réactif, très bien. Ah, il a vraiment le dernier morceau dans les mains. Ok, très bien.
viendra plus tard. Je t'ai à l'œil quand même, hein. Pas de truc salace avec ma femme. Il manque une poignée. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est déjà, un parapluie avec des épines? Alors, il a dit que son frère était en haut. Très bien. Autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. La maison. Ok, on est parti. Il est où son frangin? Mais il est pas là. Ah! Il mange du parapluie. Il me faut quelque chose de long et fin pour ouvrir cette caisse. Le couteau ne suffit pas? Non. Très bien. Voilà. Perçoit quelque chose dans l'eau. Oui, je vois ici quelque chose, mais... Ça doit être un livre. Le mécanisme est cassé, il ne tourne pas. Magnifique. Oh là là. Mais c'est tout pété, en fait. Je ferais mieux de me protéger les mains. Oui. Ah, qu'est-ce qui se passe? À tous les habitants. Richeville est en travaux. La ville s'agrandit et s'embellit grâce aux efforts de nos amis les nains. Faites attention près du chantier. Le maire Tom. Ah, partie du... Je dois mettre en route le mécanisme. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Va me servir ce parapluie, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour lire ce qu'il y a ici? Oh putain, d'accord. On dirait qu'il manque des runes. D'accord. Ah, mais attendez, j'ai le sandwich. Ouais, j'y avais plus pensé. Alors, je sais que t'as faim, toi. Tiens. Et voilà. Ah mais, vraiment. Au secours, quoi. Qu'est-ce que c'est? Le mec avait caché une manuelle. Ok. Un volant. Wow. Attendez. Ah, premier casse-tête. Assembler correctement les petits rouages avec des rouages immobiles en les faisant glisser. Très bien. Alors. D'accord. Ah, est-ce que ça bouge ou pas? Ah, ça bouge pas. D'accord. Ah, c'est pas le bon. Ah, celui-là est immobile. D'accord. Mmh.
Je l'ai trop. Un truc comme ça. Alors, je passe celui-là. Si, je pense qu'il va là, je suis pas sûre. Il me paraît bien là. Ok. Paraît bien ça. Hop. Bah j'essaie. Hein. Je pense que je vais passer parce que ça va être trop long. Hein ? Ouais, j'avais bon. Attends. Non, non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu peux passer comme ça ? Oui, je peux passer quand je suis bloqué, mais bon, c'est dommage parce que j'avais la solution, mais je savais pas le faire. Donc, il manque des runes. Alors, est-ce que ça peut faire quelque chose, non ? Non. Rien dans le décor. Ah, le voilà. Stupid Winter. How can I build this city when I can't even reach the construction site? Oh, greetings. I'm Rickard, the local architect. You're looking for Wishville? Yes, you're on the right track. You can't reach it with this wall of ice in the way. Help me fix my fire machine and we'll make something to melt it. On a un mur de glace, très bien. Oups. Une clé spéciale, d'accord. Qu'est-ce que c'est ce petit dragon là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il y a des trous. Les bombes incendiaires feront fondre ce mur de glace. D'accord. Ok. C'est quoi? Pied de biche, super. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ah bah j'ai un flacon là. C'est l'endroit pour une potion de flamme. D'accord. Oh. Non, ça va pas là. Ok. La statue de glace contient quelque chose. Ok. Je vais redescendre parce que le pipi, je peux
m'aider à ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Un anneau en bois, une échelle de corde. D'accord ? Ça, c'était beaucoup trop haut. Alors, est-ce que c'est possible avec ça ? Qu'est-ce que c'est ? Un serpentin, très bien. Ah, une rune. Ok, d'accord. D'accord, il faut que je trouve l'autre rune. Là, il n'y a plus rien. On remonte. C'est quoi, un anneau en bois ? Continuons. Ah. Il faut reconstituer l'image. L'emblème a disparu. Les éléments pour. Ça, je ne saurais pas. Taille de vin, fer à cheval, améthyste, araignée, jumelle, éventail, ciseaux, burette, fuseau, botte, chabol. Ok, botte. Bouteille de vin. Ah ça. Araignée, jumelle. Araignée. Jumelle, j'ai des ciseaux. Chat, bol, fuseau, burette. D'accord. Un chat ? Oui, il a eu un chat. Fascinant. Burette, fuseau. Et burette et un bol. Un bol. Ok. Pour l'instant, il y a des choses, mais je peux rien faire. Ah, je dois me débarrasser de cette toile d'araignée. Je sais pas, tiens, non. Ok. Ouais, il tombe là. Ah. Ok, ça c'est la pioche, très bien. Ressortir. Après, il faut une clé spéciale et en bas il y avait le symbole. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un briquet vide. Et... Oh. Avec la pioche, ça devrait aller, non ? Non ? Ah, il veut pas abîmer le truc. Ah bah, le briquet, ça va être long. Non, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Une orbe en bois. D'accord. Il manque certains éléments de place-feu en bois. Ok. Ok... Pas trop. Ok, ici. Des choses que je n'ai pas. Je crois que ce soit ça, mais il n'y a rien dans les trous. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Si je retourne voir le nain en lui disant que son frère il m'aide à que dalle. You should hurry. She doesn't have much time. Ah ouais, c'est très encourageant.
mais je peux même plus retourner dans le... D'accord. Oui, et ben on va continuer son boulot, non? Et... potion de flamme, mais... Il y a des trucs, je vois pas trop. Qu'est-ce que c'est ça? À faire là-dedans. Alors. Oui. Je vois qu'il y a des choses à assembler, mais je peux pas le faire. Ok. Voilà. Le code, j'en ai aucune idée. Rien. Il y a un truc qui tombe. D'accord. Et une autre potion. Alors, ça suffirait. On va mettre là. D'accord. Ensuite, je dois faire quelque chose pour distiller. Waouh! D'accord. C'est ça qui va là-dedans alors. Ok. 2 jaunes, 3 vertes, 2 roses. Comment ça se passe? Ah d'accord. Attention. Ah oui d'accord. Ça va être trop facile. Sélectionnez les triangles pour déplacer les bombes, comme tout à l'heure. Donc, vert, rouge, jaune, rose, vert. Vert. Là, c'est rose. Ouais, il m'en manque une par là. Ok, jaune. Et après, c'est quoi, c'est rose? Oula. Ok, le chemin est ouvert. You did it! Now I can continue my work. Go to the stained glass house. A man lives there that can help you. Good luck. Maison de vitrail. Ok. Ok. Très bien. Alors c'est 7 ans avant que le maire soit en place alors. Ah. Des pierres empêchent l'eau de passer.
Il ne faut jamais ignorer une source d'eau fraîche, d'accord. Ouvrir les attaches du tonneau, certaines attaches en affectent d'autres, d'accord. D'accord. Le tonneau est trop profond, je ne peux pas atteindre ce qu'il y a au fond pour essayer de le faire flotter. D'accord. Ouais. Ah, je vais pas mettre de l'huile là-dedans quand même. Ok. Quelque chose sous la neige. Oh, je ne peux pas. Bienvenue à Wishville. C'est... un clou, d'accord. C'est tout neuf, ça n'a pas encore été huilé. Ok. J'ai besoin d'une pièce pour acheter un souvenir. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah! L'emblème. Ok. On avance, on avance. Ok, le deuxième. Ah. Il y a un truc à la porte. Il manque la poignée, d'accord. Ouais, là je pourrais rien faire avec ça. Ok. On va revenir. Alors. Voilà, voilà, j'ai compris. Ok, maintenant. Oh. Oula. Ah oui, d'accord. Je me suis bloqué. Ça va pas.
Voilà, c'est bon. Hop, tac. Ah. Oh, merde. Ici. Lesquels, celui-là qui est à gauche, là, en bas à gauche? Celui-là? Oui, à gauche, là? Tu prends celui-là? Ah, celui-là. Tu le décales à droite? Oui. Vas-y. Ah oui, pour faire descendre. Et après... Ah ouais, mais non, ouais, maintenant ça... je suis niqué. Si, après tu le mets ici, celui-là. Ça, ah. Tu le fais monter, après tu peux y retourner. Merci. Une bergère. Alors. Ah. Grenouille, porte-clé, assiette, balance, pomme, cruche, collier, peigne, panier, gland, os, 23. Ah, 23, je le vois. Panier, gland, porte-clé, assiette, panier. C'est une grenouille, ça? Ouais. Porte-clé. Pas de clé, très étrange. Bah, il y en a une, là. Ah, il en faut d'autres. D'accord. Balance, pomme, cruche, cruche, gland, cruche, os, collier, peigne, collier, peigne, collier. Une assiette, okay. Un peigne et un collier, c'est pas ça? D'accord. Une cruche. Ah, ça c'est pour l'eau. Ok. Ok, ok. Tourne là. Et un code. Le code, c'était pas là, c'était. Oh là. Un lingot et une clé de nain. Une clé de nain. Ah, ça c'est pour le coffre. Oula, pardon. Oula là là là. Le coffre qui était là. Il fallait une clé spéciale. Voilà. À la poignée. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus rien. Allez, j'ai un crayon aussi. Et là il y a des symboles. Alors la poignée. D'accord. Ok. Ah le voilà, Tom. Il y a plein de trucs. Good day, sir. I'm Tom, the mayor of this town. I'm sorry to hear about your beloved. I think I can help you. There's a legend about a magical well in an old castle nearby. They say one sip from it can make your wish come true. I can't go with you because of the roses in the castle. Let's just say we don't get along well. I'll help you open a secret passage to the castle. In the house, you'll find all you need to open the secret passage on the town square. D'accord. Ok.
mince, il a dit si seulement. Bon, je ne sais pas. Parce qu'il me faut un marteau, une connerie. Ah, ça, je sais pour. C'est pour juste le passage d'avant. Voilà. Il y a plein de choses. 5 cartes de tarot. Attrape-rêve, bouteille, marteau, pomme, poupée, fuseau, peigne, gant, chat, saut, dé. Poupée. La photo de l'autre, là. Carte de tarot. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Est-ce que. Attrape-rêve, bouteille. Il y a plein de morceaux de je sais pas quoi. Un marteau. Une pomme. Une pomme. Un chat. Bah, il est là, mais il est pris dans la glace. Comment je peux... Avec ça peut-être? Non. Ah oh. Non. D'accord. Putain. Alors. Le fuseau est cassé. Ah, d'où la colle. Non? Ah si. Où sont les autres cartes? Ah là, il y en a une. Là, il y en a une aussi. Là, il y en a une. Bouteille. Ok. Dés et des gants. Il me manque une carte de tarot. Ok. Un marteau, très bien. Ah bah avec le clou. La bergère et j'ai le ramoneur, très bien. C'est dommage d'avoir à briser cela, mais je dois sauver Grace. Oups. C'est quoi? Clé de vitrail, est-ce que c'est ça? Pas du tout. Ah. D'accord. Ça c'est bon, c'est juste sa jambe. Oh, attends la galère. Ok. Alors, ouais, mais il y a même sa tête qui est pas... D'accord, ok. Ah. Non. Oh mince. Ok. Ah, il y a quelqu'un là? Ah non, c'est... D'accord. Sûr qu'il y a personne? Ses cheveux lui couvrent le visage. Alors. Ah, quelque chose inscrit ici.
J'ai besoin de papier pour copier les runes. D'accord. Ah. Il trappe. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose de grandiose, ma famille était pauvre, tout comme mon village, alors j'ai décidé de m'en aller dès que j'ai eu 18 ans. R. Un peu de papier. Je n'ai qu'un seul but, trouver un moyen d'exaucer tous mes vœux. J'en ai marre d'être faible et pauvre, et je ferai tout ce que je peux pour changer cela. Malheureusement, on ne peut ni acheter, ni vendre, ni même voler des rêves. Ce chapitre du journal est fermé. Oui, il faut trouver un autre symbole. Alors. Un petit emblème. Du papier. Un crayon. C'est quoi? Un crochet de serrurier, d'accord. Voilà, il y a plein de documents, d'accord. Un poney, des rubis. Ok, chaussures châtaignes, chapeau chevalet, amphore, cadenas, portrait, schéma, phénix, violon, nœud, fleurs. Eh ben dis donc. En portrait, j'imagine que c'est lui, non ? Châtaigne. Hop. Chaussure. Ah tiens, l'emblème. Chevalet. Cadenas. Chevalet. Phoenix. Un violon, chaussures, amphore, pas ça. Un chapeau, un schéma, un nœud. Ok. Ah, c'est pour ça, c'est à ça que ça sert. Celui-là, non. Pas du tout ces symboles-là. Ah mais il faut que je range les pots, oui d'accord, ok. D'accord. Depuis des temps très anciens, les magiciens se servent de la laine pour fabriquer des artefacts qui permettent de trouver une issue, même dans les labyrinthes les plus complexes. Ah, un petit chat. Ok. On va retourner ici. Du coup, j'ai un balai maintenant. Ah, d'accord. Ok, donc... Il faut mettre les deux ensemble ou... Non. Il me faut l'autre partie du code, mais il est là. Ok, alors... Ouh là là, d'accord, alors on va pas y aller tout de suite. Et j'ai quoi donc? J'ai le petit chat, il manque l'oiseau. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Donc là, ok, il y a un autre chemin. Et apparemment, il me dit qu'il y a quelque chose encore, mais
Ah bah oui, les cheveux, j'ai l'épingle. D'accord. Pourquoi t'as les orbites vite? Les rubis? Oula! Ok, c'est Annabelle. Ok, elle fait flipper, n'empêche. Ok, donc chez l'animal. Pour le coffre. Ah, voilà. Maintenant, je peux descendre, j'imagine. Non? Ok. Parfois, les décors sont magnifiques. Labyrinthe, je ne peux pas entrer sans un moyen de m'orienter, mais je sais ce qui va m'aider. Oui, la ficelle. D'accord, donc c'est par là. Il n'y a rien à... Oula, cousine. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh là, attends. Je vois même pas où est le... Attends. Oui, alors attends, on va peut-être commencer par celle-ci puisque je la vois. D'accord. Là, ça va. Non? Ah merde. Ah, attends. Tac, 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 tac. Là, après... Peut-être celle-là. Non, pas du tout. Peut-être ici. Ah! Là et là. D'accord. Là. Tac, 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 tac. On passe en dessous, on est d'accord. Ah, là et là. Non? Ah, là et là. Ah, coucou Torpeur. Bienvenue sur la suite, donc le bonus du jeu précédent. Si tu es marin, si tu sais faire des nœuds ou les défaire, ça m'intéresse. Là, normalement, c'est bien ça. Pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure? Et voilà, hop, on suit la petite pelote de laine. C'est joli, hein. Oui, parti. Ah, mais à chaque fois, faut la démêler. Cette petite annonce des enfers. C'est-à-dire... Coucou, Jim Mauricia. Comment ça, cette petite annonce des enfers? Alors, attendez. Jusque là, tout va bien. Je me dépêche parce que ma femme est très malade et elle est restée toute seule avec un nain, donc j'ai très peur de ce qui peut lui arriver. Si tu es marin tatoué et que tu sais faire des nœuds marins et que tu as une... Oh. Hop, 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 tu t'es cru où? Non mais dis donc. N'oublie pas que, hein, mamie Julie, comme tu l'appelles, elle a l'épée, hein. Attention, Torpeur. Ah, trouver le puits au souhait, oui. Bon ben, ça commence bien, j'ai pas les clés. Tiens, salut Droix. Comment va Chevalier Droix? Il y a quelque chose sur ce chandelier, je dois trouver quelque chose pour le faire descendre. D'accord. J'ai cru que t'allais dire que même Julie avait une grosse... Mais qui est con? Comment oses-tu donner un faux numéro? Vous êtes bête. Vous êtes grave bête. Alors... Apparemment, oui. Ça ne me regarde pas. Alors... Oula... Oula, on a affaire à un taxidermiste. Ça me plaît pas trop. Ah, le bon roi. Comment ça... À coup de lingot. Alors. Ah, il manque un livre, dommage. J'en ai un livre, mais il me manque quelque chose pour voir la suite de l'histoire. Ok.
Une bougie. Qu'est-ce que... Ces flèches sont seulement dessinées. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quelque chose qui ne va pas ici. Ok, bah écoute. Ah. Une rose rouge, parchemin, couronne, éventail, oiseau, blason, plume, pelote, gant, soleil, tasse, ours, ours, tasse. Oula, j'ai appuyé sur quoi ? D'accord. Une rose rouge. Un parchemin. C'est quoi ça ? Ah ! Ok. Un parchemin. Un oiseau, un éventail. Oiseau, blason, plume. Plume. Lézard. Il n'y a pas de lézard, Torpeur. Il sera dans l'épisode d'avant. Non, mais Barbie Max qui m'a saoulé avec le lézard. Je le voyais pas en plus. Il était caché, je ne sais plus où. Je le voyais pas. Le soleil. L'oiseau. L'oiseau, blason. C'est quoi ça? Un oiseau? Ben voilà. Une pelote, gant. Pelote, ok. Gant, ok. Plume, blason. Plume. Alors, je sais ce qu'est un blason. Il est là. Il y a toujours un lézard, faut juste bien chercher. Cherche les problèmes, toi. Une rose rouge. Ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais j'ai toujours pas le... Toujours pas le bouquin. J'en sais rien. Alors. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oula. Je pourrais faire fondre du métal ici, mais d'abord, il me faut un moule. Et ouais. Bah j'ai un lingot, mais bon. C'est chaud. Pas de moule. Pas de jeu vulgaire sur le mot moule. Merci beaucoup. Alors, pourquoi j'ai un poney? Peut-être qu'il manque quelque chose à la madame, mais je l'ai pas. Oui, oui, d'accord. Ok, très bien. Ah, dans le hall. Ça, je peux pas l'atteindre. Il y a quelque chose ici. Ok. Oui, une décoration d'armure, mais j'ai pas. Là, j'ai rien du tout. Il y avait pourtant moult jeux de mots à faire. Oui. À part lui balancer des trucs, je vois pas trop. Alors, attends. Le couloir ou ici? Alors. D'accord. Il bouche l'entrée, lui. Oui, j'ai bien compris, mais... Ça n'a rien à voir. Un poney? Tu veux un poney? Toutoum. Ah, je l'ai pas fait ce... Ah, j'ai pas fait ça. Ok. Une branche, super. Ah, super, le symbole que je cherche. Très joli. Il faut une rose rouge et une rose bleue pour jouer ce jeu. Alors, j'ai déjà la rouge. J'ai pas la bleue. Bon, on continue. Hein. Ah bah tiens, j'ai la bleue. Ah mince! Oh, j'ai pas lu, je voulais lire après. Et merde, bon bah je ne sais pas.
éliminer les figurines de princes en faisant passer des roses par-dessus. Il faut 2 coups pour éliminer un prince armé. Il n'en faut qu'1 pour détruire un prince sans armure. Une rose peut se déplacer encore une fois après être passée au-dessus d'un prince. Il en faut 2 pour celui-ci. Ok. Ah ouais, armé, mais après faut refaire. Ah ouais, ok, bien vu. Ah mince, alors attendez. Je me suis foiré au début. J'avais pas compris, je pensais qu'il disparaissait tout de suite, mais non. Là, je peux pas, je suis blockade. Non. Ah, je peux plus la bouger. Merde. Je me suis coincé. Alors, on recommence. Peut-être pas la bonne strength de commencer par celle-ci. Alors. Voilà. Ah, je pensais que je pouvais. Ah, il y a qu'en diagonale. Autant pour moi. Merde. Alors. Super, rien à voir. Alors, hop, hop. Je suis obligée, je vais condamner celui-là. Ou alors, j'aurais pu l'avoir avec l'autre. Ok, alors attends. Non. Ah, punaise. Pas clair les règles de ce jeu. C'est marqué, hein. Une rose peut se déplacer encore une fois après être passée au-dessus. Mais ils disent pas que c'est qu'en diagonale aussi. Ah, je me suis bloquée là. Alors attends. Ok les gars. Ouh. Et bah dis donc. Ah bah j'ai un moule. Ah bah voilà, petit poney. Petit poney. Ah il en manque. Ah oh, il manque des petits poneys. Une balançoire. J'ai besoin de glace pour refroidir le métal en fusion. Oui, bah tiens. Voilà. Ok.
Oui, donc il me manque des petits poneys. Très bien. J'ai passé une fois la rouge en la montant et ensuite la bleue. Ah, désolé, j'avais préparé ma phrase et tu demandais de l'aide. Ah bon, bah merci, merci, on va dire que tu m'as aidé. Merci beaucoup. Alors, attendez. Voilà, le moule, le lingot, ça fait mal au cœur. Attends. C'est trop brûlant. Oui, mais bien sûr, sois pas con. Ah mince. Ah, dommage. Alors, je reviendrai. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi on a besoin de ça, de l'acide? Pomme de pin, améthyste, papillon, portrait, montre orange, insecte, perle, chien, pince, épée. Et le mot magique de torpeur, pipe. Alors. J'en peux plus. Bah oui, tu sais, le... mais oui, mais non. Oui, vas-y, oui, oui. Mais toi, bien sûr, tu vas le détourner à quelque chose de sale. Mais toujours, il fait ça. Il est sale, ce gars. Ah, attendez, vous me perdez, là. Alors, pomme de pin. Dégueulasse. Un portrait. Hop. Un insecte. Une perlouse. Il n'y a pas une pomme. Ah, ça m'aurait arrangé. Il y a une orange, par contre. Ok. Une perle. Non. Une pince, une épée. Mais la pince, moi, j'ai... Ça, c'est pas une pince, d'accord. Une pince, pardon. Une épée. Une montre, un papillon. Bah, c'est pas des perles, ça. Alors... Et une montre. Une montre gousset. Très très jolie, des montres gousset. Je trouvais la pince. Bah voilà, ça va m'aider, merci. Et hop. Super. Voilà. Alors. Ah, de l'acide. Mais ça va rien faire du tout. Mais non. N'importe quoi. Et pourquoi j'ai une branche là depuis une... Ça pourrait me servir de ce crochet si j'avais une sorte de tige. Hé ? Ok, on va laisser ça tranquille. Très bien. Il paraît que je suis là. Oui, coucou Drouix. Alors, je vais te montrer. Regarde bien. Est-ce que tu sais où tu es dans ce cadre-là ? En haut à gauche. Ah, ici. ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais oui, tout à fait, bravo. Là, ici aussi. Bah, il y a trop de barbe, je pense. C'est mon portrait craché. Ah, t'as vu? Alors. Pourquoi je suis là déjà? Ah oui, je dois attraper un truc. Bah oui, mais... Ah ah! Oh oh! Une clé? Ah mais j'en ai combien des clés? Ah merde, il m'en manque une. Bon, je ne fais que passer, j'ai encore des trucs à préparer. Ah ah! Surprise, surprise alors! Ok, bah merci d'être passé, Drouix. Merci beaucoup. Bah plus tard alors! Je retourne ici. Ah oui, mais j'ai pas le petit poney. J'ai pas le petit poney. Il y a autre chose. Je peux pas passer. Nope. Rien par terre. Ok. Donc tout est là. Tout est ici. Ah, ou alors. Bah non. Tout et n'importe quoi. Et choupi le truc qui grogne, râle derrière ou ça vient du jeu? Ah,
Là, je l'entends pas, mais c'est possible que ce soit lui, oui. Désolé, hein, il s'exprime beaucoup. Sérieux? Je savais même pas que je pouvais faire ça. Et alors, ça va faire quoi? Je comprends pas trop, là. À quoi va me servir la bougie? Mais c'est du verre. Ah, ou alors pour la branche? Rien à voir. Une sorte de tige, mais je sais pas ce qu'il faut, là. Autre chose sous la neige ou... Mais... Il manque des poneys, j'ai bien compris. Pourquoi on me dit de revenir ici? Ah putain, j'ai pas tout vu. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette pierre. Je vais voir. Ah, une clé. Ok. J'ai pas tout fouillé. Ah ah! Un crochet. Voilà, parfait. Est-ce que tu vas me dire qu'avec ça, il peut se suspendre au lustre? Ah ouais, c'est une sacrée branche quand même. D'accord. Cette rose ne ressemble pas aux autres. C'est normal, c'est un emblème. Oui, bah, je peux la voir ou comment ça se passe? Ah, le petit poney. Oui. Ah, il y a Torpeur qui te dit bonjour. Ah, oh. Un solitaire, très beau. Ok, c'est bien choupi. T'es rassuré? Ah, putain. Wow, on va bousiller. Oh là là. D'accord. Ah pardon. Hop hop. Alors, mes bouquins. Tiens, Choupivi, tu viens m'aider? Alors. Non? Ah oui, d'accord. Yes. Oh putain, pourquoi les yeux rouges lui? Ah. Ah, Nounours. Ok, bah on continue. Oh, t'es méchant. The wishing well. Examiner le puits. Oui. Bah, regarder d'abord autour. Il y a quelque chose sous la grille. Il va y rester. Ah. Non? D'accord. Une lampe vide. Okay. Tac, 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 tac. Ouais, mais bien sûr, c'est là-dessous. Ok. Ouais, 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 j'ai bien compris. Nope. Ok. La part de pizza. Putain, j'ai faim, tais-toi. Ok, associe les plaques par paire en fonction de leurs éléments. Alors... Ah, hé, hey, Torpeur. Il y a un lézard. Mais il va avec quoi, le lézard? Attends. Léard. Lézard, avec un Z. Zombre idiot. Alors, une feuille. Bah, avec l'arme, j'imagine. Pas du tout. Ah ouais? Ça c'est de la flotte, on est d'accord? Ah bah oui, la feuille... Non? Ok. Waouh, waouh, attendez. Le lézard va avec le feu? Ça s'appelle un dragon. Hein. C'est pas un lézard. Non, toujours pas. Lézard, là c'est bon. Voilà, c'est bien. C'est des progrès. Je dois bien réfléchir. Pourquoi? Une lampe permettrait d'éclairer le puits. Je l'ai, la lampe. Elle est là. Voilà. Hop, c'est parti.
Non, toujours pas. Je n'y vois rien. Comment ça, tu vois rien? J'ai une lampe, je peux pas te faire. Je peux pas dire mieux. Ma gueule. Ah. Oh. Oh no, it's empty. The well's drained. It was my last hope. I'd do anything to save Grace. Anything. Ouais, c'est foutu de ma gueule, lui. Anything, Mr. Thorne? Oh, excuse me. I see you're desperate to save your fiancé. It's a shame the well is dry. Ah. I can still help. If you sign this contract with me, on est vraiment she'll live. On sait ce qui se passe, ça. C'est ce qui s'est passé 7 ans avant le jeu que j'ai fait il y a quelques jours. Oui, cet homme, le maire de Wishville, donc de la ville des souhaits. Un bel enfoiré. Ah là là, je suis obligée de... Ah, merde. C'est lui, Torpeur, tout à fait. Ah, the deal is made. You'll have to do me a special favor in return. I'll send you a letter when the time's right. Now, go enjoy your life, Mr. Thorne. I can't believe we survived such a terrible accident. Let's go home as soon as we can. Soon, Augustine. Soon I'll get what's mine. Ouais, voilà. Donc, Augustine. Ah bah, c'est fini. Ah, c'est... j'ai fini le chapitre bonus. Ok. Ça me fait penser à la marmotte. Oh là là. Eh, Jim Morissia, si tu savais, le pire ennemi du jeu, c'était... et Polté, je pourrais t'en parler. C'est l'escroc d'écureuil. M'a saoulé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon bah, c'est dommage. Je pensais que ça durait un petit peu plus longtemps. Après, il y a des trucs sympas. Hein. Ah, il y a des mini-jeux. Ah ouais, non, j'ai pas envie de refaire. Oh là là. D'accord. Ok. Ils font des cons aussi, sympa. Donc j'en ai d'autres sous le coude. C'est très joli. Lézard, écureuil. Ils sont pas fun, en fait. Les mini-jeux, bah, c'est les mini-jeux qu'on a eu dans tout le long de... de la... mince. Du jeu, en fait. Que tu peux refaire, là. Oh là là. Qu'est-ce bonbon. Oh ouais, il y en avait... Ah, celui-là. Celui-là, faut... hein, faut être concentré. Non, il y en avait des sympas. Bon, bah, ok. Ah, oh, j'ai eu toutes les récompenses. Oui. J'ai tous eu ou pas? Oui! Ah, il y en a, j'ai deux roses. Ah, il y en a où j'ai pas tout eu. Ok. Très bien. Ok, monsieur, dame. Ok. Bien. Eh bien, messieurs, dames, je vais vous laisser, ou sinon on peut rattaquer un autre jeu, mais bon, 19h20, les gens ont une vie. Donc, je sais pas trop. Si vous êtes chaud, j'en installe, enfin, j'en joue un autre. Que je finirai pas du coup, puisque c'est assez long quand même. Donc, j'attends le vote du public. Vous êtes que 3, hein, donc ça sera à l'unanimité. Un autre jeu ou on stop? Stop ou encore? À vous de mettre. Moi, je vais partir dans 5 minutes. Ça, c'est fait. Très bien. Donc, c'est non. Jim Morissia rigole. Donc, je sais pas comment l'interpréter. Ah, tu n'as pas entendu. Je disais,
stop ou encore pour faire un autre jeu sous le, du même genre. Sachant que c'est assez long, donc Drowix me parlait. Ah. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Ça sera plus simple et puis comme ça on commencera un épisode je sais pas quand. Même quand je stream, c'est gentil. Bon, bah je vous laisse là. 1h30, c'est pas mal. Ah non, j'ai répondu. Est-ce que quoi? Ah, tu veux? Bah, bon, ok. Bon, bah, très bien. Et ben, on va en faire un autre. On va en faire un autre. Alors, vous allez voir mon bureau. Alors, surtout, regardez pas. Alors, quittez. Vous regardez pas, vous regardez pas, vous regardez pas. Vous regardez pas. Non, non, non. J'ai pas de truc, hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est détroit si tu veux quitter. Non, je veux pas quitter. Je veux continuer à faire des jeux. Alors, j'ai quoi? J'ai le portrait ensorcelé. J'ai le ciel tombant. J'ai invité indésirable. Et j'ai les animaux de Brême. Quel est votre choix? Peut-être vous les mettre là. Alors. Choix. Le ciel de quoi? C'est écrit le ciel tombant. Invité indésirable, les animaux de Brême. Ou le portrait ensorcelé. Ah bah voilà, très bien. Celui-là, le ciel tombant. Très bien, bah écoutez, on est parti. Plouf. Il est dans mes images, Torpeur. Pardon? Il est où le dossier avec... J'avais pas vu. T'es pas censé partir, toi? Ah, un œuf. Oh, je sens que c'est un animal totem, ça va être un oiseau. Alors... Je ne connais pas du tout. Hein. Celui-là, par contre, je l'ai acheté récemment. Donc, je sais pas du tout ce que c'est. Oh... Waouh! Attention, c'est parti! Ah! Jack et le haricot! Fee, fi, fo, fo. Little man, who are you? I'm Jack, and. Gotcha! Il est sérieux, lui? Je t'ai eu! Le mec a terminé en... Ah, mais... Malheureusement, ces jeux-là, les débuts sont très, très violents et les fins coupent violemment aussi. Hein, donc, c'est... Il n'y a pas de suspense. Hein. Ok, Jaco. Alors, eh ben, nous allons jouer. C'est parti. Le ciel tombant, donc avec... Wow, 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 oula! Ah, alors, un, connaissez mon niveau de jeu, toujours normal, mais je voudrais voir les petits personnages. En difficile, il est quoi? Ah, ouais, d'accord, en expert. Ah, il est vénère. Ok, ben, on va prendre... Vas-y, je prends en normal, sinon j'y arriverai pas. Ah, c'est parti! As long as I've known him, my brother Edward has loved gardening. Now he has become a successful botanist with job offers all over the country. Recently, he's made an incredible discovery. He invited me to Etherfall to celebrate his triumph. Ciel chu. Chinois, ça? De Edward Grant à Jackie Grant. Ok. Viens aussi vite que possible, ça va faire les gros titres des journaux. J'ai trouvé le haricot légendaire. Ah ouais, un petit haricot là. This is Edward's jacket. Wow, 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 wow. I must be seeing things. The weather is getting worse.
Non, pas de non, pas de dictasticiel. Alors, attendez. Alors, la veste de Jack. Oh non, comment puis-je récupérer le cartable d'Edward? Ah, c'est Edward, d'accord. Ah merde, ah oui, il est tombé, dis donc. Merde! Ah, mais tout se pète en fait. Je peux rien toucher, c'est ça? Il va m'arriver une merde si je touche à l'eau. Comment ça se passe? Attention, pouille. Ok. Bon, allez, je vais y aller moi. Des bisous aux deux mamies et une caresse sur le crâne garni de papy. Au revoir. Merci en tout cas d'être venu, Torpeur. C'est très gentil à toi. Plein de bisouilles. Amuse-toi bien. Bonne soirée. Où puis-je recueillir de l'eau? Alors, pas tout de suite, hein. Doucement. Ah, oh, un petit chat. Ça crame bien. L'arbre a reçu la foudre. Il vaut mieux éteindre le feu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans sa veste? Les fouilles sont finies. J'ai découvert les haricots légendaires, mais il faut que je me mette à l'abri. Le temps tourne à la tempête. Je vais essayer de me réfugier dans la maison. Ok. Ah. Très bien. Un plaisir, tes petits streams des temps de Séville. Oh, tu es gentil. Bisous, bisous. Tu reviens quand tu veux. Hein. Ah, les animaux, apparemment, c'est des chats, là, ici. Très bien. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il fait, là? Jack Grace. Attendez, attendez. Alors, la petite chouette. Ah, la petite peluche. Ah, il va pas vouloir me la donner. Ah, il va me casser les... Ah bah tiens, les noisettes. Alors, je te donne ça. Tu me donnes la peluche, s'il te plaît? Voilà, merci. Ah tiens, un seau. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'écureuil, il a tout abîmé. Il me manque quoi? Ah, il faut le... D'accord, ok. Ok, alors. Donc, j'ai un seau. Oui, mais attends, je peux pas faire ça? Voilà, tout va mieux. Non, tire-toi. Ah, putain. Ok, jusque-là, tout va bien. Ah, mince. Crée un passage pour le paneton. Sectionner, il fait glisser les plumes ou la clé pour les déplacer. Ah, ok. Ah, mince. Attends. Hop. Bah, c'est tout droit. Voilà. Pas très compliqué. Étafal. Ciel chu. Quel nom étrange pour une ville, j'avoue. Là, il n'y a plus rien. Ok. Ok, on ressort. Je peux pas aller dans la maison, donc... Je vais maintenant découvrir ce qu'Edouard cherchait ici. Oh non! Help me! Please! 13 animaux! Oh, le pauvre! Ah, ça me fait penser au film... mince. Le film où justement, je crois que c'est Ace Ventura. Je sais plus. Qui secourt un animal qui est traumatisé. Putain, il y a plein de petits animaux, donc il m'en faut 13. Oh non, reviens! 13 animaux. Allez, c'est parti. Ah, un lézard! Alors. Edward Grant, je souhaiterais vous fournir des informations sur les légendes de Ciel Chou. Votre jour de gloire n'est pas loin. En échange, je ne demande que votre assistance. Venez me voir bientôt, SR. Très bien. Ah, une coccinelle. Le chapeau
et inhabituel. Quelque chose se cache peut-être à l'intérieur. Deux animaux, bah. Ah, et donc là, je peux rien faire, ok. Il me manque deux animaux, mais il y en avait deux là. Il y a une coccinelle, je peux pas cliquer dessus. Ah, d'accord. Oh, tchou. Abracadabra. D'accord. Ah, un petit lapin. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qui pourrait porter une botte aussi énorme? Ah, le géant. Orgue de barbarie. Médaillon haricot. Une gousse, une hache, une vache. Une pousse de haricots. Des pièces, des cartes. Là, j'ai pas les pièces, ok. Des plumes, cartable, château. Château. Des plumes. Une gousse, une pièce. Et un œuf. Un œuf, oui. Une gousse. Ça. Ok, j'ai retrouvé son cartable. Alors. Voilà, il y a plein de trucs. Ah, du rembourrage. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Petit bouton. Fil aiguille. Les habitants utilisent un talisman avec une clochette. Ainsi, ils pensent être avertis lorsqu'un géant approche. Ah, donc c'est connu qu'il y a des géants, alors. D'accord. Très bien. J'ai tout fouillé. Très bien, je prends tout ça. Du coup, le petit hérisson. Allez, on répare tout. Petit rembourrage. Hop, le petit œil. Voilà. Et du coup, la cloche, voilà. On est bon. Hop. Alors du coup, c'est pas bien placé, ça, les gens. Il ne me faut plus que la clé. Je l'ai. C'est ouvert. J'attendrai la fin de la tempête à l'intérieur. Très bien. Oh, mais il y a des gens. Excusez-moi. Bonsoir. C'est juste qu'il pleut dehors. Il fait pas très beau. Je reste là. 5 minutes. Oh, c'est flippant. C'est quoi les trucs là? Attention. Bouh. Wow, c'est chelou ce que vous faites, madame. Bonjour, madame. Who's come to see old Grace in a storm like this? You're looking for your brother? Well, you have him to thank for this horrible storm. He stirred up an ancient curse with all his digging around here. Ah, merde. The storm even spooked my cow Milky White, and oh, she just ran off. I want to call her home, but I need the shepherd's horn from the chest. Bring it here, and I'll tell you where to find your brother. D'accord. Ah, petite vache, je vous l'emprunte. Merci, madame. Blanchette, Grace, Jack. Non, je regarde juste quelque chose qui m'intrigue, madame. Ah mince. Non, c'est bon. Ah mince, je l'ai mal replacé. C'est pas grave. Par ce temps, il vaut mieux être à l'intérieur. Ouais, elle me demande d'aller chercher dehors. C'est votre mari? Il a l'air solide, hein? Ouais, je sens que... quelque chose de pas clair. I gave Edward these glasses. Edward couldn't have lost his glasses, as he can't go anywhere without them.
Ah ouais, il est mi-roux en fait, comme moi. Oh là, d'accord. Ok. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose là-dedans. Quelque chose se cache là derrière. Il a peut-être faim. Ah mais... Ah, tu as un haricot ? Non. Ah, d'accord. Ok. Donc elle m'a demandé d'aller dehors. Ben, on va y aller. Hein. Juste, je regarde un petit peu autour. Qu'est-ce que c'est ? Trouvez-les sur le coffret. Ah, mais ils sont là. Oui, je les vois. Tac, tac. C'est ouvert. Ah, ah. Dites-moi, madame, cachez bien des choses dans votre maison. J'emprunte des choses. Hein. Hop, on va dehors. Mais est-ce qu'on peut passer, du coup ? On peut passer ou pas ? Ah, je dois couper l'arbre ! Avec quoi ? Avec quoi ? Oui ? Oh là, il y a des choses, là. Les symboles sur la photo sont trop petits pour les déchiffrer. Avec les lunettes, ça va mieux. Waouh ! Ah d'accord, il suffit juste de passer dessus. D'accord. Lune, J5, orage... Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai un code. Très bien. Très bien, très bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Choupi ? Je dois couper un arbre. Oh, quand même. Elle a un coffre, oui, tout à fait. Je pense qu'il me faut ça. J'ai la clé, oui, mais... Faut que je trouve les objets, on est d'accord. On est d'accord. Un petit chat. Alors, s'il a faim, il y a des trucs là, non ? Je peux rien prendre. Ah, j'ai les trois. Super, pardon. Merci. Bonjour, Voltage. Bienvenue. Bienvenue sur le stream. Alors, nous avons attaqué une nouvelle mission. Nous avons fini le bonus avec Jim Mauricia, Papy et Torpeur. Et Drowix aussi qui est venu. Et donc là, on attaque une nouvelle histoire. Donc c'est un peu l'histoire de Jack et le haricot magique. Hein. Ah ! Est-ce que ça voudrait dire que c'est un petit chat ? Oh, du petit hérisson ! Mais t'as des choses sur toi. Ah, carrément, je vole l'hérisson. Très bien. Oh là là, mais... Qu'est-ce qu'il porte sur lui ? Ok. 7 boules collantes. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Pas des boules collantes, ça. Ah oui, avec la pince, pardon. Deux fruits des bois. Ruban, souris. Une bague. Donc là, je suis... Je ne sais pas comment je m'appelle d'ailleurs. Je ne me souviens plus. Je suis à recherche de mon frère Jack. Qui malheureusement a rencontré un géant. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Par la suite, je ne sais pas. 4 fleurs. C'est quoi ces positions ? Mais il a des chaussettes, lui ? C'est ces conneries. Ok. Ah, je vois. J'avais le... Bah alors ? Quatre billes. Dans l'oreille, ça doit faire mal, hein ? 3 boutons.
Et un poisson. Ah, il doit être bien caché. Ah. Ok. La paille et un petit hérisson. Petit hérisson va me servir là. Ok. Faites pousser les tiges du haricot jusqu'en haut. Sélectionnez et placez les pois sur les plateaux. Le voyant passe au vert si le pois sur le plateau est correct. Au rouge si le pois est insuffisant et au violet s'il est excessif. Très bien. Alors. Celui-là est vide. Wow. Apparemment. Verse, on est bon. Ah, on n'est pas bon. Violet, c'est quoi? C'est trop. Ah, c'est trop. Ah, j'espère que c'est bon. Ah, cool. Jack, mon amour, partons d'ici. Le royaume des nuages est dangereux. Sache que je t'attends, Candy. Ah, la corne, pour retrouver la petite vache de la dame. Alors, j'ai la corne, madame. Allez où votre vache? Please bring me the shepherd's horn. Allez là, allez là, tiens. A while ago, Jack, my godson, made a huge mistake. He planted magic beans that opened the way to the Cloud Kingdom, which brought doom to him and nearly destroyed Etherfall. Everything was peaceful here until your brother dug up the rest of the beans. A storm is coming. Storms bring giants. I imagine your brother hid in Etherfall to avoid the storm. And where's my darling Milky White? On va la retrouver. Ouais, quand même. Oula, oula! Oh merde! Help! You can fix all this. Just bring the cursed treasures back. Mais sérieux, lui? Oh putain! Was that really a giant? Ok. Il l'a emporté, la vieille. C'est chaud, les marrons, là. Alors, attendez. Return our treasures. Bonjour. Excusez-moi. Ah ouais, on se dit pas bonjour, tout de suite c'est un jeu. Jeu de vie ou de mort, c'est ça? Éliminez le nombre de tuiles indiquées à droite. Sélectionnez au moins 3 carreaux voisins identiques à la fois pour les faire disparaître. Vous avez un nombre limité de coups. Après chaque coup, la malédiction bloquera quelques tuiles. Ah d'accord. Oh là, attendez alors. Pardon? Ah, faut que je les fasse glisser peut-être? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Bah. Ah, comme ça, ok. La politesse se perd, on va leur apprendre la vie à ces gens. Non, mais sans déconner. Ça va bien, hein. Ah mince, il me bloque. Ah ouais, putain. Quel con. Je crois que j'ai mal joué dès le départ. Ah, c'est mort là, non?
J'ai pas 3. Ah, est-ce que ça, ça compte les... Non. D'accord. Bon, ben, on va recommencer. Ok. Normalement, il faut partir du bas vers le haut pour bien faire les choses. Comme je sais pas où il va me bloquer, lui. Ouais, voilà. La merde alors. Bon. Ah, 4 aussi, tu penses, Jim Morrissien? Ah, bah alors attends, je recommence. Ah, si c'est 4, ça m'arrange parce que. Attends. Ah oui! Merci, Jim Morrissien. Ah merde. Je recommence. Mais merci beaucoup. Ah merde. Mais il me dit pas si c'est. S'il m'en reste ou pas le truc. Hein, il me dit qu'il me reste 6 coups, mais il me dit pas si. Si je vois rien ou. Non, 2, il veut pas. Hein. Ok. Oui, mais le problème c'est. Oui, oui, il me reste des rouges à enlever, mais le problème c'est que je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Parce que je peux me dire, je suis Miro, je vois pas tout. Les violets sont faits. Maintenant, je passe au rouge. Voilà, après, c'est crocheté. Voilà, comme dit Paul Tage. Voilà, c'est ça. Ah bah là, rouge, c'est mort, j'ai rien. Là. Merde. On recommence. Là, je suis obligée de jouer quelque chose. Je vais pas jouer les rouges, du coup. Je vais jouer les jaunes, alors. Parce que les jaunes, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Voilà. Ah, super. Alors, les rouges. Les violets, on s'en fout. Ah merde. Tu vois, là, il me dit pas je t'ai eu. Il me dit rien. Non ! Attendez, 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 attendez. Je savais pas ça. Mais attendez, si on peut faire des trucs comme ça, faut mettre au courant les gens. Hein. Wow. Ils disent pas c'est en diagonale, c'est en machin. Ah, je suis désolée, on aurait fini depuis longtemps. Ah mais ça débloque tout là aussi, voilà. You deserve to know the truth. Ok. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Je vais découvrir comment lever cette malédiction. Très bien. Ah, j'en ai 3. Et... Oula. D'accord. Pourquoi le canard veut pas... Enfin, loi, pardon. Pardon, loi. Je comprends pas.
Alors, une lune. Ah. Ah d'accord, ok. Ah, c'est pas dans l'ordre, d'accord. Ok. Ah, un herbier, super. Elle te dit quoi? Ah, quelque chose à lui donner à manger? D'accord. Alors, attendez. Un herbier. Je faisais ça quand j'étais plus petit. C'est sympa. Si les fouilles sont concluantes, je deviendrai un scientifique de renom. De botaniste à chercheur de légendes célèbres, je vais prouver que les haricots magiques et le royaume des nuages existent bien. Édouard, venez à Cielchu. Au plus vite, il n'y a pas de temps à perdre. S.R. Etafall. C'est vivant. Non, petit minou. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, c'est le chapeauté. Coucou. Oh, I was lost, but you found me. My name's Basil. I guarded the giant's treasures before we were robbed. Oh, tu es trop mignon. Coucou, Basil. When taken outside the Cloud Kingdom, these treasures became dangerous, cursing whoever holds them. I'll help you to destroy the curse if you bring me the crystal. Ok. Tiens, Basil. This axe belongs to Jack, the simple villager who became legendary. Following his dreams, Jack traveled above the clouds, discovering the Cloud Kingdom. But Jack gave in to temptation and stole the giant's treasures. He was never seen again. Then the stolen treasures appeared in Aetherfall. The beanstalk was chopped down to stop the giant's vengeance. Use this sphere to destroy the curse on the axe. D'accord. Come back soon. Ok, Basil. Ça? Oui. Ah. Ouah, ça a marché, la malédiction a disparu. Je peux saisir la hache maintenant. Très bien. Ah, de la paille, bien sûr. Tiens, Madame Loi. Elle m'en prend la paille. Non? Bah, je n'ai rien d'autre. Je peux pas. Ok, bon bah, je reviens. Mais c'est étrange, cet oiseau était au bord de la fenêtre tout à l'heure. Attendez, regardez. Vous voyez? Serait-ce un espion de notre ami l'écureuil? Oh, blanquette de veau! Attends, j'arrive! When kept in the box, these treasures are not a danger to humans. Merci, Basil. Bah alors? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah tiens, tiens de la paille. Eh ben dis donc. Ok, mais du coup, elle est où, blanquette de veau? Elle est là, ok. Peut-être un coup de hache sur l'oie et hop. Mais ça va pas bien, Jimoricia. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on est parti. En tout cas, j'ai toujours les hérissons avec moi, je ne sais pas pourquoi. Ah! Oh, monsieur. As mayor, I welcome you to Aetherfall. I am Smith. Are you looking for something? You'll only find geese and cows in our peaceful town. Je t'appelle Smith. What? A giant's curse? Apparently you hit your head, and all that was a delusion.
I haven't seen your brother, but you can ask at the town hall. They keep information on all visitors. Très bien. Merci, Smith. After a trauma like that, I should escort you there. Please, follow me. We wouldn't want you getting lost. Ah, t'as dit que c'était un petit village, donc si je me perds... Let's go! Watch out! Oh là! C'est quoi ce merdier, là? Il est parti où, le vieux, là? Qu'est-il arrivé? Bah, je sais pas, là. J'ai pas compris, là. Ah, mais il y a un mec en prison. Elle est étrange, ta boutique de souvenirs, quand même. Est-ce la fureur ou la faim qui anime ses oies? Ah, Jim Morissia, tu avais peut-être raison. D'accord. D'accord. Le renouveau de ciel chu. Recherche botaniste. Oh non! Petit chat disparu. Ok. Ok. Alors, attendez. Qu'est-ce que... Ah, un petit chat. Ah, un truc étrange, voilà. Bloqué de haut, j'ai faim maintenant. Tu peux mettre l'heure sur le coffret. Ah oui, mais alors, attends, quelle heure est-il? Voilà, quelle heure est-il, les gars? Là, on a... Hein? 4 heures, on va la dire. Ou midi... C'est la petite ou la grande, ça, c'est midi ou midi 20. Et là, on a quoi? 10 heures? Ouais, 10h15. Ok. Ok, ben... Ah non, comme c'est pété, il manque l'oiseau pour qu'il y ait l'heure, en fait, je pense. It's the curse. This is my final hour. Soon everything will turn to gold. Please, help me. Ah, c'est pour ça qu'ils sont vénères. Mais c'est l'œuvre de loi, ça. No, no, please. I don't want to. Quoi? Je dois faire vite, il a besoin d'aide. Oui, oui, oui. Ah, c'est lui, c'est le monsieur le marchand de souvenirs. Famille d'ours, apparemment. Ok. Donc, les pièces, ça sert à débloquer un truc. Nouvelle, la ville est revenue à la vie. Grâce au maire et à son équipe, la ville de Cielchu est plus prospère que jamais. D'accord. Est-ce que c'est ça, une épingle d'œil? Est-ce qu'on a vu un truc? Ah, peut-être le... Non. Cette heure est dangereuse, je ne devrais pas y toucher. Ah, d'accord, ok. Oula, attendez, attendez. Oh, c'est cassé! Il faut remettre les aiguilles. Oui? Oui, oui, oui. Coucou, barbe humain. Je m'en vais au taf. Des bisous, c'est vie. Des bisous, le chat. Merci, bonne soirée à toi. Bon courage. Bisous, Barbu. Et merci beaucoup d'être passé. C'est gentil. D'accord. J'ai quand même pas leur donné mon hérisson. Attends. Vous voulez des pommes? Ben, on va vous en donner, oh là là. Alors, tiens. Elle est fermée là, oui. Ah, les pommes direct dans la bouche. Ah, alors. Mince. Mince, attends. Ah oui, rien à voir, d'accord. Allons-y.
Alors allons-y, c'est parti les amis. Oh là! Ah d'accord. 11h. 11-8. 3-5, d'accord. 11-8, 3-5, très bien. Déplacez les membres en métal pour qu'ils indiquent les bons chiffres. Sélectionnez les articulations pour les déplacer. Les numéros corrects deviennent bleus quand ils sont choisis. Très bien. Ah bah alors, 11. Alors. Encore? Ah, il peut pas plus. Huit. Mais 11, je peux pas plus. Ah. Ah, ok. Bah, 8, c'est pas bon? Oh là là! Ok, 3. Et 5. T'exagères, attends. Oh, tu vas. D'accord. Oh, les petits gnognos. Attention, je suis. Alors. Oula. Mettez les ours dans les emplacements de la même forme. Sélectionnez un ours pour les déplacer. Les ours, alors là on indique, n'avancent que sur les lignes et ne peuvent pas aller l'un par-dessus l'autre. Les ours bien placés deviennent verts. D'accord. Celui-là, là déjà, c'est celui-là. Ah, ok. Oh, pardon, pardon. Alors attendez. D'accord. Ah, ça va être chaud les marrons. Mais c'est pas lui en plus, c'est lui, je crois. Mais je peux pas le pousser? Je comprends pas. Attends. Les sources n'avancent que sur les lignes et ne peuvent pas aller l'un par-dessus l'autre. On est d'accord. Si je mets la trompette là. Oui. Et si je veux faire celui-là. Ah c'est ça, il le pousse. D'accord. Donc. Celui-là, je suis sûr, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Tac, 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 tac. Il faut qu'il pousse. Tac, 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 tac. Donc lui... il faut qu'il soit poussé par celui-ci. Qu'il faut qu'il soit poussé. Ah merde, je sais plus c'est quoi celui-là. Il a deux bras. Celui-là. Il lui-même doit être poussé par celui-là. Voilà, celui-là. Oh là, oh là. Oh là là, attendez. Ah mais il me manquera celui-là. Voilà, oula, oula, ok. Hop. Super. Ah, alors. Oula, qu'est-ce qui se passe? I've gotta help him. Ok, c'est quoi ça? La colle, ok. It's too late for me. Soon they'll come for us all. Mais lâche-le! Qu'est-ce que... Ah, il est à moitié goldé. He is the thief. He is guilty. Oh putain, ça recommence? Ok, maintenant j'ai compris.
Ah, mais t'expliques pas bien les règles. Ouais. Vous avez un nombre limité de coups. Oui, mais tu dis pas que tu peux faire en oblique. Hein? Alors? Ouais. De quoi j'ai pas besoin? Ah mince. Merde. On va voir. Ok, maintenant les bleus. Oh non! Merde. Ah. Oh non! The curse is stronger than you. Ah, donc là, ça veut dire que j'ai vraiment plus de choix. Ok, très bien. Pas peine de s'énerver comme ça. Ouais, je peux pas. Ah, super. Alors... Mince. Ah, peut-être. Ah, merde. The curse is stronger than you. Ah, super. Ah, attends.
Oh non. Oh non. The curse is stronger than you. Ça. Oui. Voilà. You deserve to know the truth. On va revoir Basim. Here, human. I can help you break this curse. This is the golden egg. It was stolen from the Cloud Kingdom. Thomas opened a souvenir shop in Aetherfall. Good-natured and cheerful, he brought much joy to the town. But his savings were running out, and he found himself without clients. His failure made him greedy. When Thomas found his chance to possess the golden egg, he didn't hesitate. But this cursed treasure never brought him happiness. It gave him wealth, but unleashed his dark side. Use this sphere to destroy the curse on the stolen treasure. Come back soon. D'accord, alors. Ok. Oh putain! Décidément, toi, tu me suis partout. Oh putain, mais t'as fait quoi, là? Où es-tu allé? Qu'est-ce qu'il a foutu? Il a tout cassé, là! Ah, de la glu, oui. Vox 28, d'accord. Ah, ok, je sais pas ça que je visais, moi. D'accord. T'as l'air d'être en forme d'écureuil. Bah oui, comme par hasard. Moi, c'était la machine là. Smith, votre nouvelle chevalière est prête. Je vais l'envoyer par messager. PS, je suis inquiet. Un étranger est arrivé en ville. On dirait que quelqu'un le soutient. Thomas. Ah mince. Ah, j'ai besoin du nid. Cela ressemble à un papillon. Je n'ai pas de papillon. Amenez-moi le papillon. Je ne devrais pas toucher à cet or. Oui, oui, tout à fait. Un ours. Ok, donc le petit écureuil. Oula. Affichez le nombre correct de chaque symbole sur les plaquettes d'après l'indice sur le disque du milieu. Sectionnez les flèches pour enfoncer ou sortir les
les plaquettes, les numéros deviennent verts quand le bon nombre de symboles est visible. D'accord. Alors, 3 pâquerettes. Alors, 3 marguerites. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hein ? Attendez. Aïe, aïe, aïe. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, excusez-moi. J'avais pas très bien compris. Hein. D'accord. Ça va être chiant. Alors, attends. Il me faut 9 œufs. Ah ouais, alors là où il y en a le plus, c'est là. Neuf, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok, j'ai réussi. Ah, punaise. Il va me demander un truc, lui. Alors... 2 chevaux, 2 amulettes, cartes postales, 2 chouettes, 2 ours, palettes, bougies, clochettes, château, papillon, chapeau, pelote de laine. Très bien. Très bien, très bien. Oula. Et c'est les couleurs en fonction des symboles. Alors. Très joli. Et voilà! Très bien. Ah, une pépite. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'or, ça? Tous les objets en or. Très bien. Par contre, après cette petite énigme, j'arrêterai le jeu. Parce qu'il est tard et... un escroc toujours là. Ah oui, oui. Toujours. C'est l'animal totem, je pense. Ah. Ah, c'est des patrons. Ouais, c'est génial. D'accord. Ah, j'ai pas de micro-ondes. C'est le four. Non, c'est pas le four, c'est le cuivapeur. Le cuiseur de riz, pardon. Cuiseur de riz. Excusez-moi. Ah, c'était le four. Bon, autant pour moi, c'est le four. Pardon ? Que j'ai du respect pour toi, contrairement à ce que tu penses. Alors, hop. Ah, je reconstruis l'oie. Ouais, mais lui, il va pas vouloir. Donne ! Voilà. Attention. Hein. Oui, donc il manque ça. Ok. Palette, bougie. Papillon. J'ai pas trouvé la bougie. Ah, la plume, non. Château. Château, ok. Ah, coucou Goupil. Bienvenue. Waouh. D'accord. 2 chevaux. En voilà un. 2 ours. Un ours. 2 chouettes. Après, oui, voilà. Ah, d'accord, les patrons, ça marche aussi. Ok. Ah, les chevaux, ok. Une chouette. Un chapeau. Amulette et bougie. Ah, chouette. Hop. Une amulette. Oh. Très bien. Une amulette. Ton chat aboie. Pas compris la blague. Une amulette. Oui. Amulette. Amulette. Ah oui. Merci, Jim Mauricia. Merci beaucoup. Oh, loi d'or. Ah, Choupi, oui.
Il est sur le balcon, il se sent seul, alors il appelle des copains. On termine ce tableau-là, et après... Et après, j'y vais. Ah, j'ai toujours pas le papillon. Ah oui. Ah non, il me manque encore un truc. Ah, j'avais pas vu ça. C'est les mêmes œufs d'or, oui. Ah, le papillon. Ah ok, désolé, je sors. Comment ça tu sors? Mais non, mais non. Aïe, j'ai tout. Did you see that? I can't believe the curse retreated, but for how long? I'm Thomas, the shop owner. We all must pay. Soon the giants will come for the guilty ones. They'll kill us, just like they killed Jack. Ok, super. T'es en train de dire que mon frère est mort? The giants will reclaim their treasures. You must convince the mayor to return their treasures. He's at the town hall, but you won't find it without a map. Take this. I don't want these stolen goods anymore. This damned egg came from that cat's chest, so please return it to there. Le mec est complètement à moitié du visage goldé. Tu me tends ton œuf, je le prends. By using it, we can deliver the treasures to the Cloud Kingdom. Ok, Basil. Ah, elle est pas mal ta boutique. Malédiction a disparu. We must return all the treasures. Ah. Il y en a combien des jeux dans ce genre? Énormément, Goupil. En fait, je suis sur Fish Game. Ensuite, c'est sur Fish Game que tu trouves plein de jeux d'objets cachés et d'autres petits jeux aussi de logique, etc. Et là, j'en ai acheté. J'ai profité du week-end. Il y avait une petite offre. J'en ai acheté trois de plus, dont celui-ci, hein, soumis à vote. Hein, donc, Jim Mauricia voulait tester celui-ci. Donc, on est en train de le tester ensemble, en train de jouer ensemble. Voilà. Mais je t'enverrai un petit message, Goupil, si tu veux. Pour te donner les liens. Ok, donc... Alors, comme je le disais précédemment, tout à l'heure, on va s'arrêter là. Parce que ça fait 2h30 que je joue, déjà. Et puis, comme... Oui, merci Big Fish Game, tout à fait Potage, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc il y en a plein. Après, t'as d'autres jeux aussi. Moi, il y a des jeux que j'aime bien, c'est des jeux de vitesse, tu sais, servir des plats. Genre, voilà, je m'éloigne du jeu là. Genre, je suis pâtissière, je vais envoyer le plus de plats possible, machin et tout. J'aime beaucoup ces jeux-là, mais à stream, je pense que bon, ça sert à rien. Voilà. Genre Overcook. Oui, j'aime beaucoup. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Alors, très bien, j'ouvre très grand la parenthèse. N'hésitez pas si vous voyez des jeux qui vous intéressent sur le site, que vous voulez que je fasse. C'est avec plaisir que je les prendrai et qu'on les jouera ensemble. Parce que moi, j'ai pas trop d'idées de ce qui vous plairait à voir. Moi, je sais que j'aime bien ce genre de jeu d'objets cachés. Mais n'hésitez pas à me dire. Même d'autres jeux qui sont complètement différents. Hein. Ça m'intéresse d'avoir votre avis et de voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble aussi. Sur ce, les enfants, mes amis,
Je vous remercie d'être passé. Désolé, Goupil, tu arrives un petit peu Minecraft. Ouais, j'aime pas trop. En tout cas, merci d'être passé, Goupil. Je suis désolée, tu arrives vers la fin de mon stream parce que j'ai demandé finish. Voilà, 20h26. Sachant que Papy va retrouver normalement Exa pour faire de la moto. Voilà. Donc, je vous remercie encore. Je vous fais des gros bisous. Et ben, je vous dis à plus tard. Merci pour tout. Bye bye!